Ça ne fait rien. Never mind. Pas de problème. No problem. Là-bas. Over there. C'est tout. That's all. Quoi de neuf What's new? Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Se sentir mieux Feel better? Je m'excuse. I apologize. Je cuisine. I'm cooking. C'est jaune. It's John's. Beaucoup mieux. Much better. T, s'il vous plaît. T, please. C'est juste. That's fair. C'est très bien. That's fine. C'est la vie. That's life. C'est sympa. That's neat. Qu'est-ce que c'est ça? What's this? Oui, s'il vous plaît. Yes, please. Refroidir à nouveau. Broke again. Ne dérangez pas. Don't bother. Bonjour. Good morning. C'est génial. It's awesome. Ce n'est rien. It's nothing. Non, elle n'est pas. No, she isn't. Ça dépend. That depends. Des questions? Any questions? Excusez-moi, monsieur. Excuse me, sir. Aide-toi. Help yourself. C'est décembre. It's December. Assurez-vous. Suit yourself. Merci quand même. Thanks anyway. Qui appelle? Who's calling? Avec plaisir. With pleasure. Oui, c'est le mien. Yes, it's mine. Idée brillante. Brilliant idea. Entrez, s'il vous plaît. Come in, please. Amusez-vous bien. Enjoy yourself. Bon après-midi. Good afternoon. Au revoir, Mick. Goodbye, Mike. Il est essentiel. It's essential. C'est fantastique. It's fantastic. Juste merveilleux. Just wonderful. Vous êtes les bienvenus. You're welcome. Bonne nuit, John. Good night, John. C'est incroyable. It's incredible. J'ai perdu. I lost. Fait-on. Let's celebrate. Maintenant lisez, s'il vous plaît. Now read, please. Debout, s'il vous plaît. Stand up, please. Absolument raison. Absolutely right. Contrôle-toi. Control yourself. Comment ça va? How's everything? C'est excellent. That's excellent. C'est quelque chose. That's something. Oui, je comprends. Yes, I understand. C'est dégoûtant. That's disgusting. C'est ridicule. That's ridiculous. Cela vaut la peine. That's worthwhile. Ne tremblez pas. Don't shilly-shally. Parle plus fort, je te prie. Speak louder, please. Moi aussi. So do I. J'espère. I hope so. Qui dit? Who says? Puis-je aider? Can I help? Raid mort. Drop dead. Je l'ai soufflé. I blew it. J'en doute. I doubt it. Je vous envie. I envy you. Je te déteste. I hate you. Je t'aime. I love you je le pense. i think so. est-ce que ça va? is that okay? est-ce vrai? is that so? c'est un stylo. it's a pen. c'est bien. it's fine. continuez. keep it up. continuez bien. keep well. Laisse-moi voir. Let me see. Pas du tout. Not at all. Je vous remercie. Thank you. Le temps est écoulé. Time is up. Sois mon invité. Be my guest. Comptez-moi. Count me on. Je vais bien, merci. I'm fine, thanks. Pardonne-moi. Forgive me. Comment allez-vous? How are you? Comment est Jack? How is Jack? Je l'aurai. I'll get it. Je suis son fan. I'm his fan. Est-ce le vôtre? Is it yours? C'est un accord. It's a deal. Pas mal. Not too bad. Sur le bureau. On the desk. Quel dommage. What a pity. Qui es-tu? Who are you? Tu l'as dit. You said it. Êtes-vous sûr? Are you sure? À quelle heure? At what time? Ne paniquez pas. Don't panic. Vous voilà. Here you are. Je t'assure. I assure you. Je peux gérer. I can manage. Je ne peux pas le dire. I can't tell. Je suppose. I suppose so. Je vais le prendre. I'll take it. Je suis agriculteur. I'm a farmer. C'est dimanche. It's Sunday. C'est injuste. It's unfair. Laisse-moi deviner. Let me guess. Relax. Take it easy. C'est dommage. What a shame. Qui te l'a dit? Who told you? Attrape-moi plus tard. Catch me later. N'abandonnez pas. Don't give up. Je vais le vérifier. I'll check it. Je vais te montrer. I'll show you. Je suis une femme au foyer. I'm a housewife. Je suis étudiant. I'm a student. Je vais bien aussi. I'm fine, too. Est-ce sérieux? Is it serious? Est-ce correct? Is that right? Est-ce que cela est à toi? Is this yours? Ce n'est pas beaucoup. It isn't much. Ça prend du temps. It takes time. Cela ne fonctionnera pas. It won't work. C'est un crayon. It's a pencil. Devine quoi? Guess what? Je suis célibataire. I'm single. C'est affreux. It's awful. Absolument. Absolutely. Toutes nos félicitations. Congratulations. Je vois. I see. J'arrête. I quit. Allons-y. Let go. Moi aussi. Me too. Mon Dieu. My God. En aucune façon. No way. Et elle? And she? Allons. Come on. Attendez. Hold on. Je suis d'accord. I agree. Je suis Tom. I'm Tom. Pas mal. Not bad. Pas encore. Not yet. A plus. See you. Tais-toi. Shut up. Si longtemps. So long. Pourquoi pas. Why not. Autorise-moi. Allow me. Soyez silencieux. Be quiet. Courage. Cheer up. Foutez le camp. Get lost. Bon travail. Good job. Au revoir. Goodbye. S'amuser. Have fun. Il est Tim. He is Tim. Combien? How much? Je suis plein. I'm full. Je suis à la maison. I'm home. Je suis perdu. I'm lost. Je suis malade. I'm sick. C'est juillet. It's July. Attention. Mind you. Mon régal. My treat. Asseyez-vous. Sit down. Par ici. This way. Après vous. After you. D'accord. All right. Soyez béni. Bless you. Suis-moi. Follow me. Oublie. Forget it. Bonne chance. Good luck. Je refuse. I decline. Je promets. I promise. Je suis fauché. I'm broke. Absurdité. Nonsense. Bien sûr. Of course. Ralentissez. Slow down. Prends soin. Take care. C'est bon. That's okay. Ils font mal. They hurt. Réessayez. Try again. Fais attention. Watch out. Nous verrons. We'll see. Quelle What time? Quoi de neuf? What's up? Faites attention. Be careful. Bas en haut. Bottoms up. Ne bougez pas. Don't move. Sure. Sure. Ici. Here. Bonjour. Hello. Ni. Neither. Probablement. Probably. Certainement. Certainly. Vous êtes un bon danseur. You're a good dancer. Vous avez le but. You've got the point. Votre main est froide. Your hand feels cold. Une belle journée, n'est-ce pas? A lovely day, isn't it? Es-tu libre demain? Are you free tomorrow? Ne sont-ils pas des étudiants? Aren't they students? Aimes-tu voyager? Do you like traveling? Ne croyez pas au hasard. Don't trust to chance. Attachez votre ceinture de sécurité. Fasten your seat belt. Bien merci et vous? Fine, thanks. And you? Avez-vous fini maintenant? Have you finished yet? Il a l'air très en bonne santé. He looks very healthy. Il a réparé sa maison. He repaired his house. Il a suggéré un pique-nique. He suggested a picnic. Je ne pourrais pas être plus d'accord. I couldn't agree more. Je poursuivrai mon étude. I'll further my study. Je vais prendre vos conseils. I'll take your advice cela n'a pas de sens. it doesn't make sense. cela ne se reproduira plus. it won't happen again. c'est un plaisir de te rencontrer. it's nice meeting you. ce n'est pas six heures. it's not six o'clock. il fait très froid aujourd'hui. it's quite cold today. C'est vraiment une bonne affaire. It's really Juste autour du coin. Just the Fais comme chez toi. Make yourself at home. Peut-être une autre fois. Maybe some other time. Faites attention à vos propres affaires. Mind your own affairs. Non? Ce n'est pas mon livre. No, that's not my book. Ça ne vous concerne pas. None of your business. Vous plaisantez. You are kidding me. Le passé de la douleur est un plaisir. Pain past is pleasure. Veuillez vérifier la date. Please check the date. S'il te plaît, laisse-moi seul. Please leave me alone. Redite ça, s'il vous plaît. Please say that again. Le vol est retardé. The flight is delayed. La nourriture est délicieuse. The food is delicious. La route se divise ici. The road divides here. Ils l'ont couronné roi. They crowned him king. Quel adorable bébé? What an adorable baby? Que recommandez-vous? What do you recommend? Quelle est la date aujourd'hui? What's the date today? Qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong with you? Quelle est ton adresse? What's your address? Où est la salle de repos? Where's the restroom? Est-ce qu'il pleut demain? Will it rain tomorrow? Vous avez besoin d'une injection. You need an injection. Mieux vaut tard que jamais. Better late than never. Mieux vaut prévenir que désolé. Better safe than sorry. Pourriez-vous parler plus lentement? Could you speak slower? Il collecte de l'argent. He is collecting money. Je ne pouvais pas passer à travers. I couldn't get through. Je vous rencontrerai demain. I'll meet you tomorrow. Je suis très déçu. I'm very disappointed. Ça m'a plutôt surpris. It rather surprised me. Laissez-vous passer par des anomalies. Let bygones be bygones. Parlons au dîner. Let's talk over dinner. La mère ne se maquille pas. Mother doesn't make up. Non, il n'en a pas. No, he doesn't have one. Merci pour l'avertissement. Thanks for the warning. C'est une idée formidable. That's a terrific idea. C'est toujours le cas. That's always the case. L'enfant sanglotait tristement. The child sobbed sadly. Les chaussures sont usées. The shoes are worn out. Cette soupe goûte génial. This soup tastes great. Préférez-vous? Which would you prefer? Vous avez probablement raison. You are probably right. Vous êtes tellement attentif. You are so considerate. Est-ce qu'elle aime la glace? Does she like ice cream? N'hésitez plus. Don't hesitate anymore. Ne commettez aucune erreur. Don't make any mistakes. Ne prenez pas de risques. Don't take any chances. Première arrivée, premier servi. First come, first served. Le football est mon préféré. Football is my favorite. Les grands esprits se rencontrent. Great minds think alike. Il est physiquement mature. He is mature. Il s'est spécialisé dans les ordinateurs. He in computers. J'aime jouer au football. I like playing football. Je me suis vraiment amusé. I really myself. Je suis fou d'anglais. Je suis déterminé à partir. I'm determined to leave. Il est inutile de se plaindre. It's no use complaining. Je ne m'aime pas. John doesn't like me. Laisse-moi me présenter. Let me introduce myself. L'argent n'est pas tout. Money is not everything. Elle a dit presque rien. She said almost nothing. Elle est sous le temps. She's under the weather. Cela ne pourrait pas être mieux. That couldn't be better. Le prix est raisonnable. The price is reasonable. Ils l'ont hautement apprécié. They praised him highly. Nous désirons tous le bonheur. We all desire happiness. Qu'en est-il de votre opinion? What about your opinion? Quels sont vos intérêts? What are your interests? Quel temps fait-il? What's the weather like? Quel est ton nom de famille? What's your family name? J'aime collecter des timbres. I like collecting stamps. J'ai 27 ans. I'm 27 years old. C'est mieux que rien. It's better than nothing. S'il te plaît, accepte mes excuses. Please accept my apology. Merci pour les instructions. Thank you for directions. Merci pour tout. Thank you for everything. Cela ne fait aucune différence. That makes no difference. Le dîner était merveilleux. The dinner was wonderful. Le prisonnier s'est échappé. The prisoner has escaped. ce matériau est doux this material feels soft keep in touch avouons-le let's face it réparons-nous let's make up à plus tard see you later c'est un livre that's a book le temps c'est de l'argent time is money Attention. To be careful. Où étions-nous? Where were we? Est-ce que ça va faire mal? Will it hurt? Vous avez bien compris. You did right. Tu es fou. You're crazy. Vous l'avez. You've got it. Rien d'autre? Anything else? Vers 7 heures. At about seven. C'est un gérant. He is a manager. Comment ça va? How's it going? Je rentre à la maison. I'm going home. Tout dépend. It all depends. C'est son domaine. It's her field. Découvrons-la. Let's find out. Jusqu'ici tout va bien. So far, so good. Prends ton temps. Take your time. Le plus grand. The bigger one. Ils sont là. There they are. Ce sont les miens. Those are mine. Nous sommes finis. We're through. Et vous? What about you? Qu'est-ce que c'est? What are these? Vous le méritez. You deserve it. On ne sait jamais. You never know. Est-ce que vous plaisantez? Are you kidding? Es-tu marié? Are you married? Appelle le docteur. Call the doctor. Bon appétit. Enjoy your meal. J'aime le football. I like football. J'en ai eu assez. I've had enough. Ça fait vraiment mal. It really hurts. Il est question du temps. It's about time. Gardez la monnaie. Keep the change. Commençons maintenant. Let's begin now. On n'a rien sans rien. No pain, no gain. Seulement trois jours. Only three days. Cela me rappelle. That reminds me. C'est sûr. That's for sure. Ce n'est pas vrai. That's not true. C'est janvier. This is January. Ce sont des livres. Those are books. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Today is Friday. Que se passe-t-il? What's going on? Quel travail faites-vous? What's your job? Tu plaisantes. You are kidding. Tu es tellement intelligent. You're so smart. Des billets sont-ils restés? Any tickets left? Ne le mentionnez pas. Don't mention it. Bonne nuit, Alice. Good night, Alice. As-tu décidé? Have you decided? Il lui manque de courage. He lacks courage. Calmez-vous. Hold your horses. J'aime la glace. I like ice cream. Je suis libre ce soir. I'm free tonight. Je suis le plus jeune. I'm the youngest. K semble génial. It sounds great. C'est mon plaisir. It's my pleasure. Il est deux heures. It's two o'clock. Rendez-vous demain. See you tomorrow. Elle déteste la boxe. She hates boxing. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sit down, please. Merci un million. Thanks a million. Ça a du sens. That makes sense. C'est d'accord. That's all right. C'est terrible. That's terrible. C'est le but. That's the point. C'est votre livre. That's your book. Ils ne sont pas les miens. They're not mine. En fait, ça dépend. Well. It depends. Quel est ton nom? What's your name? Quelle est ta taille? What's your size? Oui, je suppose. Yes, I suppose so. Quelque chose à boire? Anything to drink? Comprenez-vous? Do you understand? C'est la vie. Easy come, easy go. C'est dimanche aujourd'hui. It's Sunday today. C'est très populaire. It's very popular. Ça vaut la peine d'être vu. It's worth seeing. Commençons. Let's get started. Écoute et répète. Listen and repeat. Arrêtez de se plaindre. Stop complaining. Il est aussi un élève he is a student, too. voilà votre monnaie. here's your change. la connaissance est le pouvoir. knowledge is power. désolé. je suis engagé. sorry, i'm engaged. ils sont par là. they're over there. quelle coïncidence? what a coincidence. vous ne pouvez pas vous plaindre. you can't complain. Vous êtes impossible. You're impossible. Quelque chose est venu jusqu'à. Something's come up. Quel est le délai? What's the deadline? Quel est votre problème? What's your trouble? Où est la compagnie? Where's the company? Il est toujours indécis. It's still undecided. Demain ne vient jamais. Tomorrow never comes. Hier c'était dimanche. Yesterday was Sunday. Vous avez l'air pointu. You're looking sharp. Vous êtes très éloquent. You're very eloquent. Une opinion différente? Any different opinion? Peut-être que ce sont des médecins. Maybe they're doctors. Non, je ne comprends pas. No, I don't understand. Ouvrez votre livre, s'il vous plaît. Open your book, please. Le plus tôt sera le mieux. The sooner, the better. Il y a une possibilité. There's a possibility. Ils ont divorcé. They've been divorced. Ce sont des pastèques. Those are watermelons. Quel horrible temps! What horrible weather! Absolument impossible. Absolutely impossible. Tous se sont amusés. All enjoyed themselves. Fermez votre livre, s'il vous plaît. Close your book, please. Juste pour le divertissement. Just for entertainment. L'argent n'est pas tout. Money isn't everything le patinage est intéressant. skating is interesting. quelle est votre patrie? what's your motherland? vous êtes vraiment talentueux. you're really talented. tout est génial. everything tastes great. ne soyez pas si modeste. don't be so modest. Ne me méprenez pas. Don't get me wrong. Ne me donne pas ça. Don't give me that. Se dépasser. Get over yourself. Il a remporté une élection. He won an election. Comment va votre famille? How is your family? Je ne peux pas le croire. I can't believe it. Je ne peux pas vous suivre. I can't follow you. Je ne pouvais pas l'aider. I couldn't help it. J'ai une plainte. I have a complaint. Je connais ce sentiment. I know the feeling. Je le regrette vraiment. I really regret it. Je vais réfléchir. I'll think it over. Je suis tout lavé. I'm all washed up. Je suis facile à satisfaire. I'm easy to please. Je lis un livre. I'm reading a book. Je suis désolé, je suis en retard. I'm sorry, I'm late. Est-ce que cette place est occupée? Is this seat taken? Il me rend fou. It drives me crazy. C'est de plus en plus cool. It is growing cool. Il semble bien. It seems alright. Ça m'a échappé. It slipped my mind. Le monde est petit. It's a small world. C'est trop loin. It's going too far. Il est temps de commencer. It's time to begin. Peut-être que cela fonctionnera. Maybe it will work. S'il vous plaît, faites-moi savoir. Please let me know. C'est une bonne idée. That's a good idea. La réponse est nulle. The answer is zero. Nous ferions mieux de partir. We'd better be off. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce qu'elle aime? What does she like? Quel mois est? What month is this? Quand es-tu né? When were you born? D'où êtes-vous? Where are you from? Où est la porte? Where's the door? Vous devez jouer équitablement. You must play fair. Vous êtes une honte. You're a disgrace. Des messages pour moi? Any messages for me? Dès que possible. As soon as possible. Ne manquez pas le bateau. Don't miss the boat. Il parle toujours grand. He always talks big. Il peut difficilement parler. He can hardly speak. Comment va votre mari? How is your husband? Je n'ai pas bien dormi. I didn't sleep well. Je ne sais vraiment pas. I really don't know. Je serai là. I'll be right there. Je ne suis pas tout à fait sûr. I'm not really sure. J'ai mal à la tête. I've got a headache. La France en Europe? Is France in Europe? Cela fait mal ici. It hurts right here. Il est 9 heures et demie. It's half past nine. Ce n'est pas de ta faute. It's not your fault. Il est temps pour la classe. It's time for class. Visons-les. Let's go visit them. Restons en contact. Let's keep in touch. Oh, ce n'est pas bon. Oh, that's not good. S'il te plaît, viens avec moi. Please come with me. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est bon à savoir. That's good to know. C'est plus comme ça. That's more like it. Le temps est écoulé. Time is running out. Nous sommes de bons amis. We are good friends. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? What's on your mind? Où allez-vous? Where are you going? Où avez-vous visité? Where did you visit? Où étiez-vous? Where have you been? Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Why don't you agree? Vous avez bien fait. You did fairly well. Vous avez besoin de vacances. You need a vacation. Vous devez faire de l'exercice. You need to work out. Vous êtes si négligent. You're so careless. L'habit fait le moine. Clothes make the man. Parlez-vous anglais? Do you speak English? Ne sois pas si enfantin. Don't be so childish. Ne perdez pas votre tête. Don't lose your head. N'ouvrez pas votre livre. Don't open your book. Ne vous en faites pas. Don't worry about it. Comment vont les choses? How are things going? Comment allez-vous récemment? How are you recently? Je ne pouvais pas parler. I could hardly speak. J'apprécie votre entreprise. I enjoy your company. J'aime mieux le football. I like football best. Je ne me sens pas bien. I'm not feeling well. Je ne suis pas moi aujourd'hui. I'm not myself today. Je suis pressé pour le temps. I'm pressed for time. J'ai changé d'avis. I've changed my mind. Est-ce que c'est votre sac à main? Is this your handbag? Cela prend vraiment du temps. It really takes time. C'est contre la loi. It's against the law. C'est l'heure du dîner. It's time for dinner. Réfléchir avant d'agir. Look before you leap. Ma voiture a besoin de se laver. My car needs washing. Je salive. My mouth is watering. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. Ce n'est pas un problème. That's not a problem. C'est ton problème. That's your problem. Ce sont mes crayons. These are my pencils. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Today is my birthday. Ce qui vous est arrivé? What happened to you? Quel est ton problème? What's your problem? Où sont mes lunettes? Where are my glasses? Où sont les escaliers? Where are the stairs? Vous avez l'air bien aujourd'hui. You look great today. Je comprends totalement. I understand completely. C'est un climatiseur. It's an air conditioner. Quelle est ta nationalité? What's your nationality? Montrez vos billets, s'il vous plaît. Show your tickets, please. Vous êtes très professionnel. You're very professional. C'est plutôt décevant. That's rather disappointing. Découpez. Cut it out. J'en ai marre. I'm fed up. Non, je ne peux pas. No, I can't. Je dois le faire. Do I have to? Il a mon âge. He is my age. J'aime ça. I like this. Faire une promenade. Take a hike. Fais-moi une faveur. Do me a favor. Ne me moque pas. Don't nag me. Comment oses-tu? How dare you? À quoi je ressemble? How do I look? Comment allez-vous? How do you do? Je te déteste. I detest you. Tu me manques. I do miss you. Je t'en dois une. I owe you one je suis au régime. i'm on a diet. je suis en route. i'm on my way. est ce un parc is that a park frappez le. knock it off. puis je entrer may i come in personne ne sait. no one knows. Le voilà. There it is. Tu m'as trompé. You set me up. Puis-je vous aider? Can I help you? Du 4 au 4h30. From 4 to 4:30. Appelle-moi. Give me a call. Donne-moi un coup de main. Give me a hand. Combien ça coûte? How much is it? Je n'ai aucune idée. I have no idea. Je l'ai fait. I just made it. Si seulement je pouvais. I wish I could. Je m'en tiendrai. I'll see to it. Je suis bon à ça. I'm good at it. Je suis pressé. I'm in a hurry. C'est à vous. It's up to you. Juste le laisser être. Just let it be. Que faire? What do you do? Tu m'en dois une. You owe me one. Tu es un enfoiré. You're a jerk. Toute journée fera. Any day will do. Es-tu avec moi? Are you with me? Peux-tu le faire? Can you make it? Le dîner est sur moi. Dinner is on me. Ne me touchez pas. Don't touch me. Comment ça se passe? How is it going? Quel âge avez-vous? How old are you? Je suis derrière toi. I am behind you. Je ne veux pas dire ça. I don't mean it. Je ferai de mon mieux. I'll do my best. Je vais vous réparer. I'll fix you up. C'est une belle journée. It's a fine day. Il est à jour. It's up to date. Laisse-moi tranquille. Leave me alone. Bien sûr, vas-y. Sure, go ahead. Je ne peux pas l'aider. I can't help it. Je vous souhaite la même chose. The same to you. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Quelle heure est-il? What time is it? Oui, je pense que oui. Yes, I think so. Tu peux le faire. You can make it. T'es-tu amusé? Did you have fun? Connaissez-vous Marie? Do you know Mary? Ne me dérange pas. Don't bother me. Il est venu en train. He came by train. Attendez, s'il vous plaît. Hold on, please. Comment va votre femme? How is your wife? Je ne peux pas le supporter. I can't stand it. Je ne voulais pas. I didn't mean to. Je n'ai pas le choix. I have no choice. J'adore ce jeu. I love this game. Je vais essayer de mon mieux. I'll try my best. Je suis de ton côté. I'm on your side. Je n'ai aucune idée. I've got no idea. C'est difficile à dire. It's hard to say. Ce n'est pas grand chose. It's no big deal. Appelle-moi simplement Tim. Just call me Tim. Ça fait longtemps. Long time no see. Ma fièvre est partie. My fever is gone. Mon nom est Adam. My name is Adam. Ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. Non, le mien est bleu. No, mine is blue. Bien sûr, qu'est-ce que c'est Sure, what is it? Nous sommes tous pour cela. We're all for it. Quelle bonne affaire. What a good deal. Quel âge avez-vous? What is your age? Que devrais-je faire? What should I do? Vous l'avez demandé. You asked for it. Vous avez ma parole. You have my word. Vous avez l'air coupable. You look guilty. Vous êtes stupide. You stupid jerk. Vous serez désolé. You'll be sorry. Es-tu chinois? Are you chinese? Es-tu marié? Are you married? Croyez-le ou non? Believe it or not. Ne comptez pas sur moi. Don't count on me. Ne vous en doutez pas. Don't fall for it. Ne me laissez pas tomber. Don't let me down. Trop c'est trop. Enough is enough. Il est au téléphone. He is on the phone. Voici votre nourriture. Here is your food. Sa chambre est vide. His room is empty. Je vous demande pardon. I beg your pardon. Je ne peux pas me le permettre. I can't afford it. Je viens du Japon. I come from Japan. Je le pensais aussi. I thought so too. Je voudrais un remboursement. I'd like a refund. Je reviens vite. I'll be back soon. Je vérifierai. I'll check it out. Je vais travailler. I'm going to work. Je suis en bonne forme. I'm in good shape. J'y travaille. I'm working on it. J'ai fait de mon mieux. I've done my best. Est-ce votre livre? Is this your book? C'est une longue histoire. It's a long story. Tout est de ma faute. It's all my fault. Juste quelques mois. Just a few months. Il suffit d'attendre et de voir. Just wait and see. Décide-toi. Make up your mind. Je m'appelle Kevin. My name is Kevin. Non. Je suis Canadien. No, I'm Canadian. Cela sonne une cloche. That rings a bell. C'est tout ce dont j'ai besoin. That's all I need. La vue est géniale. The view is great. Le mur a des oreilles. The wall has ears. Il y a un bus. There comes a bus. qu'en est-il d'une autre danse? What about another dance? Vous regardez radieux ce soir. You look radiant tonight. Vous me tuez vraiment. You're really killing me. Être critiqué est horrible. Being criticized is awful. Ne tirez pas sur les conclusions. Don't jump to conclusions. Il a lui-même été vaincu. He owned himself defeated. J'arrangerai tout. I will arrange everything. Gardez les doigts croisés. Keep your fingers crossed. Elle était totalement épuisée. She was totally exhausted. Elle est très bien, merci. She's very well, thank you. C'est la dernière mode. That's the latest fashion. Ils l'ont élu président. They elected him chairman. Les choses s'améliorent. Things are getting better. Vous avez tout gâché. You've ruined everything. Il parle couramment l'anglais. He speaks English fluently. J'ai 42 ans. I'm 42 years old. Quelle est ta musique préférée? What's your favorite music? Quel est votre sport préféré? What's your favorite sport? Quelles sont vos étapes préférées? What's your favorite steps? Votre anglais est incroyable. Your English is incredible. Voici votre reçu. Here is your receipt. C'est une compétition amicale. It's a friendly competition. Revenons quelque temps. Let's get together sometime. L'opportunité frappe mais une fois. Opportunity knocks but once. Ne vous culpiez pas. Please don't blame yourself. Elle s'habilla à la hâte. She dressed herself hastily. Merci de votre coopération. Thanks for your cooperation. Tout a son début et sa fin. Everything has its beginning and end. J'apprécie votre invitation. I appreciate your invitation. Elle est engagée chez John. She's engaged to John. Elle est mariée à John. She's married to John. Nous diffusons de Londres. We're broadcasting from London. Votre prononciation est excellente. Your pronunciation is excellent. Votre satisfaction est garantie. Your satisfaction is guaranteed. Ces hommes ne sont pas non plus des étudiants. Those men aren't students either. Personnellement, je préfère la météo hivernale. Personally, I prefer winter weather. Je parie que tu peux. I bet you can. Nous pouvons nous passer. We can get by. Ne me pousse pas. Don't push me. J'en ai marre. I'm sick of it. Est-ce un livre? Is that a book? Puis-je vous aider? May I help you? Puis-je essayer? May I try it on? Où est-ce que je paye? Where do I pay? Laisse-moi tranquille. Get off my back. Laisse-moi tranquille. Give me a break. Il est malade au lit. He is ill in bed. Je dois partir maintenant. I have to go now. Laissez-moi vous aider. Let me help you. Vous m'épousez. You piss me off. Éloignez-vous de moi. Get away from me. C'est un garçon intelligent. He is a smart boy. Il est un homme capable. He is an able man. Quel âge avez-vous? Je veux dire ce que je dis. I mean what I say. Je viens du Canada. I'm from Canada. Qu'est-ce que vous avez dit? What did you say? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? De quoi s'agit-il? What is it about? Quel mois est-il? What month is it? Vous me dégoûtez. You make me sick. Vous pouvez entrer maintenant. You may go in now puis je utiliser l'ascenseur can i use the elevator pourriez vous m'aider could you help me ne soyez pas de cette façon don't be that way devine quel âge j'ai guess how old i am avez vous eu ça have you got that il est juste un enfant. He is just a child. Je me sentais quelque peu malade. I felt sort of ill. J'ai une bonne idée. I have a good idea. J'étais juste à l'heure. I was just on time. Je suis de bonne humeur. I'm in a good mood. Est-ce qu'il pleut maintenant? Is it raining now? Est-ce que ce livre est son? Is this book his? Ce n'est pas de ma faute. It's not my fault. C'est en l'air. It's up in the air. Puis-je utiliser votre stylo? May I use your pen? Sortez de mon chemin. Move out of my way. Elle avait un mauvais rhume. She had a bad cold. Aujourd'hui, c'est le 11 août. Today is August 11th. Nous pouvons le résoudre. We can work it out. Nous avons eu un bon temps. We had a good time. Qu'est-ce que tu fais? What are you up to? Tu as bien travaillé. You did a good job. Tu me mets tellement en colère. You make me so mad. Peut-elle être un conducteur? Can she be a driver? Comment l'avez-vous aimé? How did you like it? Comment ça s'épelle? How do you spell it? Je suis fan de football. I am a football fan. Je m'ennuie à mort. I am bored to death. Je ressens la même chose. I feel the same way. Je sais tout à propos de ça. I know all about it. Je réveille ma sœur. I wake my sister up. Je serais ravi de vous aider. I'd be glad to help. Je l'écouterai à l'oreille. I'll play it by ear. Je vous verrai à 6 heures moins le soir. I'll see you at 6. Si seulement je pouvais voler. If only I could fly. Est-ce vrai ou faux? Is it true or false? Cela vous fera du bien. It will do you good. Il suffit de le lire pour moi. Just read it for me. Appelons-le un jour. Let's call it a day. Apprendre ou à laisser. Take it or leave it. Prenez ma parole pour cela. Take my word for it. Ce garçon n'a pas de travail. This boy has no job. Qu'en est-il d'une autre danse What about another dance? Vous regardez radieux ce soir. You look radiant tonight. Vous me tuez vraiment. You're really killing me. Être critiqué est horrible. Being criticized is awful. Ne tirez pas sur les conclusions. Don't jump to conclusions. Il a lui-même été vaincu. He owned himself defeated. J'arrangerai tout. I will arrange everything. Gardez les doigts croisés. Keep your fingers crossed. Elle était totalement épuisée. She was totally exhausted. Elle est très bien, merci. She's very well, thank you. C'est la dernière mode. That's the latest fashion. Ils l'ont élu président. They elected him chairman. Les choses s'améliorent. Things are getting better. Vous avez tout gâché. You've ruined everything. Il parle couramment l'anglais. He speaks English fluently. J'ai 42 ans. I'm 42 years old. Quelle est ta musique préférée? What's your favorite music? Quel est votre sport préféré? What's your favorite sport? Quelles sont vos étapes préférées? What's your favorite steps? Votre anglais est incroyable. Your English is incredible. Voici votre reçu. Here's your receipt. C'est une compétition amicale. It's a friendly competition. Revenons quelque temps. Let's get together sometime. L'opportunité frappe mais une fois. Opportunity knocks but once. Ne vous culpiez pas. Please don't blame yourself. Elle s'habilla à la hâte. She dressed herself hastily. Merci de votre coopération. Thanks for your cooperation. Tout a son début et sa fin. Everything has its beginning and end. J'apprécie votre invitation. I appreciate your invitation elle est engagée chez john. she's engaged to john. elle est mariée à john. she's married to john. nous diffusons de londres. we're broadcasting from london. votre prononciation est excellente. your pronunciation is excellent. votre satisfaction est garantie. your satisfaction is guaranteed. Ces hommes ne sont pas non plus des étudiants. Those men aren't students, Personnellement, je préfère la météo hivernale. I je parie que tu peux. I bet you can. Nous pouvons nous passer. We can get by. Ne me pousse pas. Don't push me. J'en ai marre. I'm sick of it. Est-ce un livre? Is that a book? Puis-je vous aider? May I help you? Puis-je essayer? May I try it on? Où est-ce que je paie? Where do I pay? Laisse-moi tranquille. Get off my back. Laisse-moi tranquille. Give me a break. Il est malade au lit. He is ill in bed. Je dois partir maintenant. I have to go now. Laissez-moi vous aider. Let me help you. Vous m'épousez. You piss me off. Éloignez-vous de moi. Get away from me. C'est un garçon intelligent. He is a smart boy. Il est un homme capable. He is an able man. Quel âge avez-vous? How old are you? Je veux dire ce que je dis. I mean what I say. Je viens du Canada. I'm from Canada. Qu'est-ce que vous avez dit? What did you say? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? De quoi s'agit-il? What is it about? Quel mois est-il? What month is it? Vous me dégoûtez. You make me sick. Vous pouvez entrer maintenant. You may go in now. Puis-je utiliser l'ascenseur? Can I use the elevator? Pourriez-vous m'aider? Could you help me? Ne soyez pas de cette façon. Don't be that way. Devine quel âge j'ai. Guess how old I am. Avez-vous eu ça? Have you got that? Il est juste un enfant. He is just a child. Je me sentais quelque peu malade. I felt sort of ill. J'ai une bonne idée. I have a good idea. J'étais juste à l'heure. was just on time. Je suis de bonne humeur. Est-ce qu'il pleut maintenant? Is it now? Est-ce que ce livre est son? Is this book his? Ce n'est pas de ma faute. It's not my fault. C'est en l'air. It's up in the air. Puis-je utiliser votre stylo? May I use your pen? Sortez de mon chemin. Move out of my way. Elle avait un mauvais rhume. She had a bad cold. Aujourd'hui, c'est le 11 août. Today is August 11th. Nous pouvons le résoudre. We can work it out. Nous avons eu un bon temps. We had a good time. Qu'est-ce que tu fais What are you up to Tu as bien travaillé. You did a good job. Tu me mets tellement en colère. You make me so mad. Peut-elle être un conducteur Can she be a driver? Comment l'avez-vous aimé? How did you like it? Comment ça s'épelle? How do you spell it? Je suis fan de football. I am a football fan. Je m'ennuie à mort. I am bored to death. Je ressens la même chose. I feel the same way. Je sais tout à propos de ça. I know all about it. Je réveille ma sœur. I wake my sister up. Je serais ravi de vous aider. I'd be glad to help. Je l'écouterai à l'oreille. I'll play it by ear. Je vous verrai à 6 heures moins le soir. I'll see you at 6. Si seulement je pouvais voler. If only I could fly. Est-ce vrai ou faux? Is it true or false? Cela vous fera du bien. It will do you good. Il suffit de le lire pour moi. Just read it for me. Appelons le un jour. Let's call it a day. Apprendre ou à laisser. Take it or leave it. Prenez ma parole pour cela. Take my word for it. Ce garçon n'a pas de travail. This boy has no job.